Bonjour. Les dernières navigations d'Oracle en baie de San Francisco nous montrent bien que la finale a commencé depuis longtemps. En ayant utilisé leurs 30 jours de quota de navigation de 2012, les Kiwis ont envoyé un premier message fort aux Américains. Et en inondant le net ces 6 derniers mois de vidéos les montant en train de foiler par plus de 20 nœuds de vent, ces Kiwis ont marqué des points, jusqu'à faire sortir les Américains de leurs réserves en leur faisant prendre trop de risques. Et chaque fois que Dean Barker ou Grant Dalton passent à l'écran, ils donnent l'impression de s'adresser directement à Russell Coutts, le CEO d'Oracle. Et le mois dernier, ce même Russell Coutts expliquait dans une interview, comme s'il s'adressait lui aussi directement aux Kiwis, « C'est Artemis le vrai danger, avec leur nouvelle aile et leur nouvelle organisation. Russell ne parle jamais des Kiwis, mais c'est toujours à eux qu'il s'adresse. » Et ce troisième week-end de février, les Américains ont enfin pu envoyer vers Oakland un message qui tienne la route. Des images de leurs bateaux qui virent, qui abat et qui foilent tout au long de leur 15e sortie en AC-72. Et ces images sont belles. Au revoir, bonne semaine.